N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Comment partager un voice sur WhatsApp? Donc, rentre-toi dans la conversation. Qui cède le voice que tu aimerais partager? Dans un autre temps, tu vas sélectionner le voice que tu aimerais partager. Ici, tu vas pouvoir sélectionner ces trois points-ci. Excusez-moi. Et tu vas sélectionner tout simplement partager. Et ici, WhatsApp va te donner la possibilité de partager ce voice sur d'autres plateformes. Ça va dépendre d'où tu aimerais partager le voice. Si tu aimerais la partager à un contact sur Gmail ou sur WhatsApp ou sur Facebook, indépendamment des types de réseaux sociaux que tu utilises, ça va apparaître ici. Tu vas tout simplement sélectionner. Dans ce cas bien précis, je vais sélectionner WhatsApp pour vous montrer comment ça marche. Dès que je sélectionne WhatsApp, ça m'envoie directement sur tous les contacts WhatsApp pour que je sélectionne la personne à qui j'aimerais partager ce voice, et je sélectionne celui-ci, et pour envoyer tout simplement, je clique tout simplement ici, et automatiquement le voice a été partagé sur WhatsApp. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que ce voice apparaît d'une autre manière pour dire tout simplement que ça a été partagé. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. On va se prendre dans une prochaine vidéo pour parler plus concernant toujours WhatsApp.